Malgré les épreuves dans ma vie, Gaina yebina kolonga. Malgré les situations difficiles, Gaina yebina kolonga. O matane kulusu, natina olongelanga. O kitina lise kwa Yesu, gayoyo nabanga nini. Yaya nanga Yesu, malgré les épreuves dans ma vie, Gaina yebina kolonga. Malgré les situations difficiles, Gaina yebina kolonga. O matane kulusu, natina olongelanga. O kitina lise kwa Yesu, gayoyo nabanga nini. Yaya nanga yeye, yaya nanga Yesu. Na ekuke ya motema nangai, yaya nandimio ovanda. Gengisela ngai pole na yo, gaina lingi na mona nkembo. Na ekuke ya motema nangai, yaya nandimio ovanda. Gengisela ngai pole na yo, gaina lingi na mona nkembo na yo. Yaya fongolela nga lola yaya. Ngai na lingi na mona nkembo na yo. Yaya fongolela nga lola yaya. Yaya maningisa ya lola efungwama. Ngai na lingi na mona nkembo na yo. Makila yo sopane kulusu, solo epesanga bomo. Na moni tengu ya nini, oye kosimbanga na sena moyi. Na moni te solo kanini, oye kokanganga na sena moyi. Nandimi te, oyo simbi nani ya kosimba. Nandimi te, oyo pamboli nani ya komodi. Namoni te nzambe na ngai, oyo tomboli nani ya kokitisanga. Nandimi solo Yesu, oyo kangoli azwi ne bosomi Jesu. Nandimi solo Yesu, oye kufaki ezwi nde lise kwa na yo. Papa na nga ye 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 ye. Yo nde lise kwa na nga. Papa na nga ye 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 ye. Yo nde solution na nga. Papa na nga ye 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 ye. Yo nde bikamwa na nga. Papa na nga ye. Kwa ya Lazalo, yozala ki miso ya Bartime, yozala ki makasi ya Samsona, yangonga ina banga nini, yangonga ina lenga nini. Na yebile kulonga, dana sole kana lupo kwa minyo konza mena ngaye. Na yebile kulonga, dana sole kana lubo kwa binyo konza mena ngaye. Na yebile kulonga, dana sole kana lubo kwa binyo konza mena ngaye.
tere kulusu na tira moko kaka papa nangai. Kita go nanti kakek buka.
Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Tika nzambe apambola moko na biso bisika bozali. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est une grande joie de nous retrouver encore ce soir dans la présence de Dieu. Je sais que c'est par la grâce de l'Éternel d'être okutani lisusu na pokwa lelo. Le Seigneur a permis ce que nous puissions nous retrouver. Alors nous sommes dans la joie. Tika ete nzambe apambola moko na moko na biso. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous saluons tout le peuple de Dieu partout où vous êtes. Que ce soit en direct, même en différé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre. Partout dans le monde, nous vous saluons. Vous qui êtes en Afrique. Vous recevez nos salutations, vous qui êtes en Europe, recevez aussi nos salutations. Vous qui êtes en Amérique, recevez nos salutations. Vous qui êtes en Asie, Océanie, recevez nos salutations dans le nom de Jésus-Christ. Le nom qui nous a été donné, en ce nom, tous genoux fléchissent. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous sommes dans la joie, soyez tous bénis. Bien-aimés, aujourd'hui c'est vendredi. Vendredi, et le Seigneur nous a été favorable depuis le lundi. Nous avons été en prière. Le mardi, nous avions commencé avec l'infidélité conjugale. Le mercredi, mêmement. Le jeudi, mêmement. Et aujourd'hui, nous continuons par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Nous pouvons partager et donner l'occasion à plusieurs personnes d'être là avec nous. J'aimerais que nous puissions partager au maximum. Dès que vous entrez, vous pouvez déjà liker, vous pouvez déjà aimer, vous pouvez déjà partager. Une fois que vous êtes déjà parmi nous, faites-le déjà, afin de donner l'occasion à plusieurs personnes. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Très-Haut. Nous croyons que le Seigneur va visiter une famille ce soir. Le Seigneur va visiter quelqu'un ce soir. Le Seigneur va bénir quelqu'un ce soir. Et nous sommes vraiment fortement bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai dit déjà shalom à maman Nénette qui est aux côtés de moi dans la chambre de prière. Je salue donc à maman Nénette Kadima, toujours auprès de moi. Que Dieu te bénisse, ma tendre épouse. J'ai dit aussi shalom à tous mes enfants. Je bénis donc Adelina. Je bénis Antonika. Je bénis Diska. Je bénis Maria. Je bénis aussi Edgar Kadima. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Je bénis aussi maman Valentine Katenga Koko. Shalom, maman Valentine Katenga Koko. Nzambe apambola yo maman. Je bénis aussi notre bien-aimé réaliste qui dit bonsoir papa Nkolo apambola bino mingi. Tika Nkolo apambola pebino ndekonanga et que Dieu vous soit favorable. Je vois mon père spirituel, mon papa qui est là, le pasteur Isaïnga Lamouloumé. Shalom papa, shalom. J'ai dit aussi shalom à maman Iguette Kunku qui est parmi nous. Maman Iguette Kunku, shalom, shalom, shalom. Shalom à toute la famille. Au berger Hervé Kunku, je salue. Je salue aussi Redima Kunku et aussi Bénédicte Kunku. Que Dieu vous fasse du bien. Je vois maman Dorcas Tabitha Mesa qui est au milieu de nous. Soyez donc bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je vois aussi prière du soir que je bénis au nom de Jésus. Je vois aussi maman Nadine Ndala qui est là. Shalom maman Nadine Ndala ou ya papa Bruno Ndala. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je dis shalom à notre soeur Prisca Mbunga depuis Kentucky, shalom, shalom à toi, Prisca Mbunga.
Je vois aussi Maman Louise Bambo qui est au milieu de nous. Maman Louise Bambo, Tikanzambe, Amonayo. Maman Zouzi Saintish, Yabino, Bashalom, Bisika Bozali. Que Dieu vous fasse du bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vois Maman Georgine Tamba depuis Tennessee. Maman Georgine nous dit Shalom, peuple de Dieu. Shalom à toi aussi, ma soeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons partager? Est-ce que nous pouvons partager et donner l'occasion à plusieurs personnes d'être avec nous? Dès que tu entres, tu peux déjà liker. Dès que tu entres, tu peux déjà aimer. Tu peux déjà partager. Tu peux déjà donner l'occasion. Je voudrais que nous puissions partager. Je vois déjà Maman Lilas qui est au milieu de nous. Maman Lilas, shalom. Shalom, Maman Lilas. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, tant que vous allez kokota ou koki déjà ko liker, nous voulons à ce que nous puissions déjà monter. Si nous pouvons partager avec Maman Ngalou Lakadima, nous pouvons partager avec Maman Zitangulungu, nous pouvons partager avec Maman Anne Chamala, si nous pouvons partager avec Papa Thomas Ndebe, Papa Bento Boston Biketu, nous pouvons partager avec Papa André Massouva. Nous pouvons partager avec tout le peuple de Dieu parmi nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom et shalom encore. Partagez avec Maman Mifi Lipasa. Partagez avec Maman Nicole Badissa. Partagez avec Maman Sandy Kayengo. Partagez avec Maman Alida Kikessa, partagez, s'il vous plaît, si nous pouvons partager. J'aimerais que nous puissions partager avec Ketia Katerina, si nous pouvons partager avec Maman Judith Samba, Maman Irma Kazadi, partageons avec Maman Flavia Bunga, partageons avec Maman Clara Bunga, partageons, que Dieu vous bénisse. Avec notre soeur Flavia Kumba, que Dieu vous bénisse. Partageons, nous pouvons liker. Merci à vous qui êtes en train de partager et de liker. Je vois déjà que nous sommes en train de partager, mais si nous pouvons encore le faire au maximum, faisons-le au maximum avant que nous puissions commencer avec notre prière de ce soir. Nous continuons toujours avec l'infidélité conjugale. Ce soir, Tokolobela sur 9 choses qui occasionnent l'infidélité dans le mariage. 9 choses. Tokolobela sur 9 choses qui occasionnent l'infidélité. Nous allons prier. Nous allons prier aussi pour ce week-end. Nous allons prier pour nos vies. Nous allons prier pour faire asseoir nos mariages. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour notre avenir. Nous allons prier pour que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous puissions être bénéficiaires des choses merveilleuses. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais déjà signaler que à partir de ce dimanche ici, le pasteur ou le docteur Esaïe Ngalamouloumé va déjà introduire le message de la convention. Il va déjà introduire la convention ce dimanche ici avec le thème « Un sauvé qui réfléchit ». Tel est le thème que le Seigneur va nous parler donc à partir de ce dimanche ici. Donc, si vous avez l'occasion, venez visiter l'église Ainsi dit le Seigneur sur l'avenue Sabatus, le numéro 76 à Lewiston, Maine. Si vous avez l'occasion, venez, vous habitez les environs, venez. Et demain déjà, le dimanche déjà, le pasteur Esaïe va commencer avec l'introduction et nous prions que le Seigneur aussi puisse faire grâce. Dès le 5, le 3, le 4 et le 5, nous allons continuer toujours avec le pasteur Esaïe Ngalamouloumé qui va continuer avec la grande convention de la récompense. Donc soyez au rendez-vous, nous serons en ligne aussi. Vous pouvez nous suivre, vous qui habitez d'autres pays. Donc, nous nous retrouvons. Je m'excuse parce que moi, rhume et zobeta, vous savez, aujourd'hui, il fallait que nous puissions voir l'homme de Dieu, l'apôtre Israël Toto. Mais moi, malaise et zali, vous savez, avec l'épidémie, moi, dérangement, zote, zote, dérangé. Moi aussi, personnellement, beaucoup, yo, kata mungongo,
Ah, il y a un peu de dérangement, mais cela n'empêche que nous puissions prier. Cela n'empêche que nous puissions prier. Je vois Papa Thomas Ndebe qui est là. Papa Thomas Ndebe, shalom, shalom et shalom encore. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de partager toujours. Kolembate, partager. Pessa occasion avant de commission sur Bakota. Et que le Seigneur soit loué. Donc, la grande convention commence le vendredi 3, le 4 juin, le samedi et aussi dimanche le 5. Le vendredi 3 et le 4 juin, ce serait à 16h30 jusqu'à 19h. Et aussi dimanche le 5 juin, ce serait à 10h, de 10h jusqu'à 12h45. Mais ce dimanche ici, ce serait aussi de 10h jusqu'à 12h45. Soyez nombreux à nous suivre. Parce que le docteur Esaïe va nous parler que Dieu bénisse la convention. Donc cette semaine ici, nous allons finir avec l'infidélité conjugale. La semaine prochaine, c'est la semaine où nous sommes en prière. Je disais, c'est la semaine où nous sommes en prière. Donc toute la semaine, nous serons en prière. Plaise à Dieu que le Seigneur nous donne la force de bien prier la semaine prochaine. Plaise à Dieu que le Seigneur puisse nous fortifier parce que nous avons besoin de prier. La prière, c'est ce qui nous retient dans la présence de Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous rendons gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons partager? Nous pouvons donner l'occasion à plusieurs personnes. Nous voulons commencer à notre programme de ce soir. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué, que le Seigneur soit élevé parce que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Je nous invite donc à prier, à ouvrir la soirée d'aujourd'hui par la prière. Nous allons tout recommander entre les mains de Dieu, que le Seigneur puisse nous donner un moment merveilleux dans sa présence et que le Seigneur nous conduise, qu'il nous dirige, qu'il soit avec nous parce que nous avons besoin de lui et nous avons besoin de l'écouter. Nous avons besoin de prier parce que nous sommes venus pour le chercher. Je vois Maman Julie Esaïe qui est là. Maman Shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons prier recommandant ce moment entre les mains du Seigneur dans le nom de Jésus? Père éternel, ton poussanier panayo, bien-aimé tombola mongongo nayo, tu recommandes ce moment que nous allons passer dans la présence de Dieu. Il est important, nzamba zala alpha, nzambe pe akukana kozala omega. Ce qui nzamba bandina biso, tout ce que nous aurons à faire aura du succès. C'est pourquoi nous recommandons toi entre les mains du Seigneur. Nous ne voulons pas commencer de nous-mêmes, mais nous voulons la présence de Dieu. Nous voulons le Saint-Esprit. Nous voulons que le Seigneur puisse agréer notre présence dans sa présence. C'est pourquoi nous prions, nous recommandons ce moment. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi dans le nom de Jésus? Yahweh, ton poussané panayo, na kombo na Yesu. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu es un Dieu fidèle. Ko poussané panayo, eza esengo mingi na mitema na biso. Ko poussané panayo, eza Seigneur, nous sommes là devant ton trône. Chaque jour, Seigneur, nous avons ce programme avec toi. Chaque soir, Seigneur Dieu de gloire, nous avons rendez-vous avec toi. De 21h50 jusqu'à 23h juste. Ce que nous voulons, c'est que Seigneur, tu commences avec nous. Ce que nous voulons, c'est que Seigneur, tout le Satan ou Pambate, parce que nous ne sommes pas venus nous côtoyer, nous ne sommes pas venus, Seigneur, afin de parler, mais Seigneur, nous sommes venus pour t'écouter et nous sommes venus afin de te parler. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous voulons que ta présence soit au milieu de nous. Tika est un kembo na yo kita, ngolo na yo zala kati na biso, molimo na yo asala kati na biso, po ete na biso moko to koko kate, lo lenge to pusane pa na yo to eko senga. Bien aimé yebisa nzambe presence na ye remplir biso, nzambe presence na ye zala na bandako na biso, lo lenge to zali ko senga, Biblia zali ko loba ke tout ce que nous demandons son nom, il l'accomplit. Bien aimé, demande que la présence de Dieu soit dans ta maison, que la présence de Dieu soit dans ta vie, que la présence de Dieu soit avec toi ce soir, parce que le Seigneur est là, que l'Éternel soit loué. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Nous sommes venus te chercher. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, Seigneur, Dieu de gloire, tout ce que nous aurons à dire n'aura pas d'impact. Mais Seigneur, si nous avons l'approbation venant de toi, c'est alors que, Seigneur, nous réussirons. C'est alors que, Seigneur, nous réaliserons de grandes choses. Ainsi, Seigneur, que cette soirée te soit dédiée. Zala, Seigneur, Dieu de gloire, contrôle Yanyonso. Okonza. Ozalanzambe Katina.
na biso po ete toye ko luka yo. La Bible dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tobo ito luka mokili, mais Seigneur toye nde ko luka yo. Tobo ito luka bisengwa mokili, mais Seigneur, nous sommes venus te chercher. C'est pourquoi ce soir manifeste-toi. Que tout celui qui sera, Seigneur Dieu de gloire, en contact avec ce programme, azonga maboko pambate. D'une façon ou d'une autre, Seigneur, accepte que cette soirée soit une soirée, Seigneur, bénie à cause de ta parole. Et c'est là, dans le nom de Jésus. Je disais que c'est là, au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses regarder ta vie. Bien-aimé, l'essentiel, c'est d'être en communion avec Dieu. L'essentiel, c'est d'être dans la présence de Dieu. L'essentiel, c'est de vivre dans la présence de Dieu. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Bien-aimé, tu peux être là ce soir avec nous, mais le Seigneur ne te connaît pas parce que tu n'es pas en bonne relation. C'est pourquoi je te donne l'occasion de pouvoir regarder ta vie. Bien-aimé, si tu avais péché, bien-aimé, si tu avais commis des erreurs, bien-aimé, si tu avais fait un mauvais pas, demande pardon à l'Éternel, sa miséricorde est sur toi, afin que tu sois digne de se tenir devant l'Éternel, car l'Éternel a quelque chose de merveilleux qu'il veut te donner. Ainsi, sanctifie-toi, purifie-toi, sanctifie ta maison. Job a dit, je ne sais pas ce que mes enfants ont fait, mais je m'approche au devant de toi et je t'offre cette offrande. Ainsi, demande aussi la sanctification de ton foyer, de ta famille, de tes enfants. Est-ce que tu peux prier avec moi? Nalingo sambela nanga. Bien-aimé sambela, ko sambela, ezali loko ba bondela yo te. Ne laisse pas toko kana ko bondela yo, mais to lingi te oko kana ko sambela volontairement. Quand tu es en train de prier, prie de tout ton cœur, prie de toute ton âme. Tu demandes pardon à l'Éternel si tu avais mal agi, si tu avais mal parlé, si tu avais mal fait. Bien-aimé zongela nzamba, nzamba za na posa na yo. Dieu veut assez que tu puisses être en communion avec lui. Quand tu es en communion avec Dieu, Dieu t'écoute. Quand tu es en communion avec Dieu, Dieu est en train d'agir. Quand tu es en communion avec Dieu, le Seigneur ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ne reste pas calme. Tombola mongongo. Bien-aimé, prie. Le Seigneur est avec toi. L'Éternel est tellement merveilleux. Demande au Seigneur la sanctification et la purification. Senganzambe akokana kosokola makanisi na yo. Toi-même, tu connais chaque fois que vous vendez. Ce que je te demande, la sainteté, la sanctification. Jésus-Christ est en train de dire que tant que vous allez pousser n'est pas nanga, et sengele vous allez mon sang tout le colangai. Le lengenga na zali yo poko kana kozala. Bien-aimé, notre Dieu est saint. Toi aussi tu dois être saint. Demande mon bien-aimé, aujourd'hui si Jésus-Christ est revenu maintenant, est-ce que akozwa yo toi akozwa yo te? La Bible nous dit ceci, que beaucoup de gens déclarent leur bonté, mais un homme fidèle, où les trouveront-ils? Oh, de nous, qui les trouvera? Seigneur Dieu de gloire, nous prions. Nous avons besoin, Seigneur, que nos cœurs soient sanctifiés, que nos vies soient purifiées, que nos âmes soient sanctifiées. Nous nous confions seulement en toi. La Bible dit que bao bazali koli ke pa ina yo, bako yo ki samasonite, kolo kota na banda konabiso, bisika ba fissure zali, bisika ma be zali. Là où il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, que tu puisses sanctifier, que tu puisses purifier. C'est que nous demandons, c'est ta grâce. Ce que nous demandons, c'est ta main. Ce que nous demandons, c'est ta joie. Ce que nous demandons, c'est toi, Éternel. En dehors de toi, nous ne pouvons rien. Mais puisque nous t'appelons, manifeste-toi, Yahweh. Glorifie-toi, Yeshua Lola. Parce que biso tozande na posa na yo. Monsou soa zate. Kolo kota na bandako na biso. Kota na ba chambre na biso. Na ba chambre bana na biso. Sokola, Yahweh. Et que Seigneur, tous nous puissions être. Oh Seigneur Dieu de gloire, digne de nous tenir au devant de toi, parce que c'est toi que nous cherchons. Toko lukali susunani, Seigneur Dieu de gloire, toko lukali susunani. Nous te cherchons et nous te voulons. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes à toi. Glorifie-toi dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur Dieu de gloire, sanctifie, 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 purifie, purifie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton nom soit béni. Nous avons besoin de la sanctification, de la purification et de la grâce de Dieu. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Jésus, parce que le Seigneur est avec nous. Seigneur, sois béni. Et que ton nom soit béni. Merci pour la sainteté que tu nous donnes. Merci pour la
purification que tu nous donnes. Merci pour la gloire, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous donnes. Ce soir, Seigneur, nous avons besoin de toi et nous savons que, Seigneur, que tu es avec nous dans le nom de Jésus. Merci Yahweh pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour la sainteté. Bien-aimé, je me réjouis que tu puisses profiter de cette occasion, que tu puisses bénir ta vie. Est-ce que tu peux bénir ta vie? Est-ce que tu peux bénir ta vie? Je veux assez que tu puisses bénir ta vie. Kovanda kimiate. Bien-aimé, occasion so que pesamelio. Pambola bomoina yo. Lobama loba kitoko pona bomoina yo. Pambola avenir na yo. Pambola destiné na yo. Pambola nyonso yo zali. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur t'a choisi lui-même. Il est venu. Il s'est sacrifié pour toi. Il te connaît par ton nom. Il te connaît très bien. Alors quand tu t'approches devant l'Éternel, bénis ta vie. Bien-aimé, tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu as tout ce qu'il faut afin de pouvoir bénir ta vie, bénir ta maison, bénir tes enfants, bénir ton mari, bénir ta femme. Si seulement tu peux bénir tombola mongongo na yo dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons, je viens bénir ma vie. Vi nanga za via pamba pamba te, vi nanga za via sete, vi nanga za milelote, vi nanga za salete te. Ma vie, c'est une vie grandiose, une vie de bénédiction, car je suis béni dans la maison, je suis béni sur la route, je suis béni dans le ministère, je suis béni au travail, je suis béni au marché, je suis béni au mall, je suis béni dans ma famille, je suis béni partout où je passe. Ta bénédiction m'accompagne. Bien-aimé Sambela, Senga bénédiction Nzambe, déclarer bénédiction Nzambe, car le Seigneur t'a dit, je ferai de toi, oh, une grande personne. Seigneur, na yebiete, ma promesse est allée. Kolonanga yango na kovanda kimia te nazali kotatola kengai maladi kozwanga te nakolela te nakozanga te nakonange kovanda na nyongo te parce que Yesu kati nanga ezali elikia na nkembo. Yesu kati nanga nazali molongi. Pourquoi je déclare, moi je vivrai, je ne mourrai pas, moi je vivrai, je ne mourrai pas. Tous les jours de ma vie, ta bonté, Seigneur, m'accompagnera. Ta faveur sera avec moi. C'est pourquoi je parle et je dis que je suis la tête et je ne suis pas la queue. Je suis le premier, je ne suis pas le dernier. Dans mon ministère, moi je vais impacter. Moi je suis grand. Moi je suis appelé à marquer mon temps et à faire la différence. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé Sambela, bien-aimé déclaré, l'Éternel est avec toi. Toi, parce que le Seigneur te fait du bien. Ainsi, ce soir, Nzamba Tikayote, Nzamba Tambolanayo, Nzamba Zalanayo, Nabomo Inayo, Ozala Molongi, Ozala Likolo, Ozala Yaminene, Pwete Yesu Katinayo, Ezali Elikanankembo. Que le Seigneur soit loué, parce que l'Éternel est avec nous. Nous sommes dans la joie. Yahweh Zwakembo, Zwankembo, Zwankembo, Nazala Seigneur Dieu de gloire, Nazala. La différence dans mon azali koloba maloba nangeza la na impact maloba nangeza la na pouvoir maloba nangeza la na kimia maloba nangeza la na sengo nazala moto oyo nazali koloba pamba pamba te mais soki na lobi nazala na nguya pwete nguya nangeza yo Yesu pwete nguya nangeza elika basando parce que yo ndozali nzambe nanga dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que notre Dieu soit loué, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé. Amen, amen, amen. Que notre Dieu vous bénisse, bien-aimés, et que le Seigneur vous soit favorable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons tout simplement exhorter un tout petit peu, continuant toujours avec un autre programme. C'est vrai que aujourd'hui, Sengela qui était l'apôtre Toto soit au milieu de nous, mais il y a eu un petit contretemps, et ce petit contretemps
Malgré cela, nous allons donc célébrer l'Éternel, nous allons louer l'Éternel, nous allons parler, nous allons continuer toujours avec l'infidélité conjugale, l'une des choses qui fait pleurer les chrétiens, l'infidélité conjugale qui fait pleurer beaucoup de gens, que ce soit parmi les chrétiens, que ce soit parmi le païen. Mais beaucoup plus, puisque nous sommes en train de parler des chrétiens, nous voulons c'est que nous puissions être des chrétiens modèles. Tout le monde est là-bas chrétien, tout ça n'est pas mixé dans mon qualité. Vous savez, un homme a dit que je cherche le monde, je commence à trouver le monde dans l'église. Je cherche l'église, je commence à trouver l'église dans le monde. Il y a tellement une confusion. Des fois, quand on regarde le peuple de Dieu, on ne sait pas qui est qui, parce que tout est confondu. On va chez les enfants de Dieu, on trouve que les enfants de Dieu divorcent. On va chez les enfants de Dieu, on trouve qu'ils sont en train de commettre l'infidélité. On va chez les enfants de Dieu, les choses qu'on ne pouvait jamais trouver dans l'église, c'est ce que l'on est en train de trouver. Plaise à Dieu que nous puissions être de ces peuples, de cette catégorie de personnes qui craignent l'Éternel. Je disais que plaise à Dieu, yonanga toza la différent. Plaise à Dieu que toko kanako se conforme na mokiliote. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Bien aimé mokilio, ce que zali ko divorce à cause d'infidélité, on ne peut pas trouver cela parmi les enfants de Dieu. Nous sommes supposés à être la lumière dans ce monde. Quand on parle de la lumière, nous sommes supposés donner l'exemple au monde que nous sommes différents. Vous savez, il y a un certain moment, les enfants d'Israël disaient, nous voulons être comme tout le monde, alors qu'ils avaient pour roi les seigneurs, alors qu'ils avaient pour roi les dieux tout-puissants. Mais voilà, ils ont dit, nous voulons être comme tout le monde. Bien aimé, yoko ki kolukoz ala lokola batunyon sote, parce que nzamba lobia, toi tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte. Donc tu as été mis à part. Dieu a dit, avant que le monde soit, moi je te connaissais. Avant que le monde soit, avant que tu ne sois né, moi je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà établi. Bien aimé, cette parole-là n'est pas seulement pour Jérémie, mais cette parole-là est pour toi. C'est pour tout simplement te dire que Dieu t'aime. Dieu t'a aimé, il t'aime, raison pour laquelle aujourd'hui tu as le souffle de vie. Alors si tu reconnais cela, sois cette personne qui reste fidèle à l'Éternel. Ne sois pas comme tout le monde. Je suis en train de dire, ne sois pas comme tout le monde. Si on peut trouver l'infidélité dans le monde, chez toi on ne peut pas trouver. Si on peut trouver des querelles dans le monde, chez toi tu dois être une personne exemplaire. Si l'on peut trouver la division dans le foyer, dans la maison, chez toi il faut qu'il y ait l'unité. Pourquoi? Parce que toi tu n'es pas comme tout le monde. Je disais que tu n'es pas comme tout le monde. Bien aimé, caché en Zambeza likolo na yo, identité en Zambeza na bomo ina yo, je vais te rappeler aujourd'hui que tu n'es pas comme tout le monde. Bien-aimé, je préfère encore que mokile kokana koboyanga parce que natingami na Nzambe, que nakokana kozala elongo na bato nyonso yeso atikangai. Lelo soki to sali différence, yango nde ko permettre ete mokolo yeso akozonga, ngana yo to simana na loboko, to bina, tango ke lelo ko beta, que nous puissions célébrer l'avènement de Christ. Alors je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, ne te laisse pas emporter parce que le monde est en train de faire, parce que toi tu n'es pas n'importe qui, toi tu n'es pas n'importe qui. Que Dieu te bénisse abondamment. Je disais que Dieu te bénisse abondamment. Si tu as entendu, je disais que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, j'aimerais nous inviter à lire à quelques passages de la Bible. Tu peux regarder sur ton téléphone, au coquille quand tu as le téléphone na yo. Tu peux regarder sur ton poste téléviseur. Donc, dans les livres de Proverbes,
Tout ce que nous allons lire, c'est toujours dans les livres de Proverbes 5, mais nous allons faire une lecture compartimentée, c'est-à-dire nous allons d'abord lire le verset 1 jusqu'à 4, et puis nous allons sauter, nous allons lire le verset 7 jusqu'à 11, et puis nous allons sauter, nous allons lire le verset 15 jusqu'à 20. Donc si vous regardez déjà sur vos téléphones, vous pouvez déjà voir que le passage sont déjà là. Donc je disais, Proverbe le chapitre 5, le verset 1 jusqu'à 4, et puis nous allons sauter pour aller lire le verset 7 jusqu'à 11, et puis nous allons sauter pour lire le verset 15 jusqu'à 20. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler sur les 9 choses qui occasionnent l'infidélité dans le mariage ou l'infidélité conjugale. 9 choses qui occasionnent l'infidélité. Makambo ezali kotindika ete bozangi bosembo na kati ya ndako ya libala ezala. Donc, je lis Proverbe chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible nous dit ceci. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. Afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car le lèvre de l'étrangère distille le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Le verset 7 jusqu'à 11, la Bible dit ceci. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas de la parole de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se ressaisissent de ton bien et tu produis de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Le verset 15 jusqu'à 20, la Bible dit, « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur le place publique? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ? Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, ce livre de Proverbes, le chapitre 5, est en train de nous prodiguer des conseils. Bien-aimé, avant que je ne puisse citer les 9 choses qui occasionnent l'infidélité, la Bible est en train de dire, mon fils, sois attentif à ma sagesse. Écoute, mon bien-aimé, la sagesse de Dieu, c'est la sagesse qui amène à la vie. La sagesse de Dieu, c'est ce qui nous préserve d'entrer dans le séjour de mort. Bien-aimé, tu veux bien vivre, tu veux réussir dans ta vie, prends la parole de Dieu, qu'elle puisse rester dans ton cœur et que tu puisses marcher avec cette parole. Cette parole, certes, elle chasse le démon. Cette parole, certes, elle nous donne la vie éternelle, mais cette parole, certes aussi, nous donne la sagesse pour que nous puissions savoir comment marcher dans ce monde. Bien-aimé, olingo sa la différence na vie na yo, tingama na maloba ya nzambe, kangama na maloba ya nzambe, bipayi wapi bomo yezali ko uta, bipayi wapi sagesse ezali ko uta, bipayi wapi kimia ya motema na yo ezali ko uta. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, le chapitre 5, « Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. »« Yoka, tia matoi na yo, na bwanya nangaye. » Tia matoi na yo, na mayele nangaye. » Pourquoi la Bible est en train de dire cela? Parce que si tu ne prêtes pas attention, ou tu n'es pas attentif à la sagesse de Dieu, tu risques déjà de t'embourber dans le mal et de te retrouver sans abri. Car sans abri, tu es déjà
à la merci du diable et tu ne peux pas vivre. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Je répète, la Bible dit ceci, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Bien-aimé, ce que vous avez en Nzambe, vous avez déjà mon mayele, vous avez déjà mon abouanya, parce que ce que vous avez en Nzambe, ma kamwe belo ko sala te na vina yo, yangonde ko permettre ete oko kana ko zala moto oyo, azali na kati ya bomoi. Bomoyo tozali ko luka bomoi ya seko, ezali bomoyo ezali ko uta na mpwasate, eza bomoyo yo tozali ko prepare uta awanase. Ici sur la terre nous sommes en train de préparer, afin que le jour que le Seigneur viendra, qu'il puisse nous trouver. Bien aimé, je m'aimerais déjà te dire que quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu avait vu. Et vous savez que l'intelligence de Dieu n'est pas à mesurer avec l'intelligence de l'homme. Aujourd'hui, batuba komi koloba ke noté, mobali akoki kobala mobali, mwasi akoki kobala mwasi, mwasi akoki kobala nyama. C'est ce qui montre déjà que moto azali insensé, moto azali na mayelete. C'est pourquoi la Bible dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête oreille à mon intelligence. Parce que c'est lui qui est attentif à la sagesse de Dieu et qui prête oreille à l'intelligence de Dieu, c'est celui qui aura l'intelligence. C'est pourquoi yozali koyokanga, yokanga malamu, nzamba zali kolobela yo lelo. Nzamba sala kilibala, pwete moto akokana kozala ne sengo, moto akokana kobike sengo na se ya moyi. Nzamba sala kilibala, afin que mobali na mwasi bakokana kosepela. C'est pourquoi Bible na Proverbe Otozali Kotanga, le livre des Proverbes est en train de nous tirer les oreilles. Azali Koloba Kenote, au verset 3, il y a le livre des Proverbes 5, Bible Zoloba. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel. Bien aimé, batebele ba sepela kakobima libanda, pwete bakanisi esengwezande libanda. Batebele ba linga kakukwaya na infidélité, pwete bakanisi neti ke kosala infidélité et pesaka esengo. Un homme m'a dit que koyibela libanda ezalaka na esengo koleka na kati ya ndako. C'est pourquoi vous verrez qu'une personne ba pesie linzanza miliki azali kolia eza vraiment elengi kitoko mingi te, mais ceux qui ba bombi yango quand on cache ça et ka kei koyiba mwa muke miliki wane komaka na mwa esengo. Mais je connais, la Bible est en train de dire que le salaire du péché c'est la mort. Banga nzambe bien-aimé, na ebiete mokili oyo, nzoto oyo, ezali nzoto ezali komema batu na kati ya nkufa. Aucun jour ce corps te dira bien-aimé, en tout cas, au sepeli singa na komema yo na lola. Sache-le déjà, d'ailleurs, le jour où tu mourras, nous autres déjà kotika yo, parce que nous autres rekoma kopola. Oye zali ko senga yo lelo, lobie koko kakuta ta ko pousa yo pe menite, et tango zali ko kufa, e kende na yo. Okotika yango yo kokende. La Bible dit, car les lèvres de l'étranger distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. La Bible nous dit ceci. Mbebo ya mopaya ezalaka lokola na mafuta ya nzoi. C'est-à-dire ezalaka elenge. C'est pourquoi vous verrez qu'une personne qui est en train de commettre l'adultère, ata ezaya deux minutes, ata ezaya une minute, akoyoka esengo. Mais la Bible dit ceci, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Souka nangwe koma ka bololo, et koma ka ngai. Ezali lokola mbeli oyo, ezali na bakote mi balé oyo koki ko kata. Écoute mon bien-aimé, ne te laisse pas emporter par le plaisir de ce monde. N'essaye pas d'être infidèle. N'essaye pas de te laisser emporter par la colère pour être kokana kokoya na kati ya infidélité, parce que infidélité conjugale ezali eloko moko ya mabe. Infidélité conjugale, c'est quelque chose qui risque de te faire du mal, pas seulement à toi. D'abord, premièrement à toi avec la relation avec Dieu, deuxièmement pour ta propre famille, ta femme ou ton mari, ainsi même tes enfants. Et sache-le que l'infidélité conjugale a des conséquences vraiment mauvaises. Alors, j'aimerais dire ceci. La Bible nous dit
La Bible est en train de nous dire beaucoup de choses, mais j'aimerais partager avec nous les 9 choses qui occasionnent l'infidélité conjugale. Qu'est-ce qui occasionne l'infidélité dans le mariage? Qu'est-ce qui pousse l'homme à aller dehors? Qu'est-ce qui pousse la femme à aller dehors? Qu'est-ce qui cherche à ce que mutako kanakoko ya libanda? Le pourquoi nous sommes en train de parler de ces 9 choses qui occasionnent l'infidélité, c'est pour tout simplement te tirer les oreilles pour que tu fasses attention. Osa l'attention. Pourquoi? Parce que ces choses peuvent paraître comme des choses futiles, comme des petites choses, mais ce sont des choses qui peuvent amener à l'infidélité conjugale. Le but et la raison d'être de ce message ici, c'est que toi et moi, toko kana kozala bato, tozali ko déclarer autant d'années, tu n'as jamais touché à un autre homme, autant d'années, tu n'as jamais touché à une autre femme. Aujourd'hui, je puis le dire avec mon gongo yako ganga, depuis que moi j'ai marié ma femme, moi je n'ai jamais sorti dehors, je n'ai jamais découché, je n'ai jamais commis d'infidélité conjugale. Mais est-ce que parmi nous, il y a de ces personnes qui peuvent aussi soulever le main? J'aurais été dans une salle, je pouvais dire, est-ce que celui qui n'a jamais touché à une autre femme, celui qui n'a jamais touché à un autre homme depuis qu'il est marié, qu'il puisse soulever sa main. Ainsi, nous aurions à voir s'il y a quelqu'un qui pouvait soulever ou ne pas soulever. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est tout simplement te dire que si je connais des pasteurs qui n'ont jamais touché à d'autres femmes, seulement à leurs femmes, moi aussi aujourd'hui, je puis le dire que je n'ai jamais touché à une autre femme, jamais touché à une autre femme depuis que je suis avec ma femme. Et je puis encore demander à l'Éternel, Seigneur, salangangolu kino mokolo kozonga nako kanako dekouchete nako kanako commettre infidélité conjugale te. Seigneur, je suis en train de prier que parmi nous qu'il y ait de ces personnes qui ne toucheraient jamais à d'autres femmes. Je suis en train de prier qu'il y ait parmi nous des femmes qui ne toucheraient jamais à d'autres hommes, jusqu'à ce que tu reviendras, afin que nous puissions marquer la différence, et cela dans le nom de Jésus-Christ. Je disais que c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Alors, 9 choses qui occasionnent l'infidélité conjugale. Premièrement, manque d'engagement dans le mariage. Mariage sans fondation. Bien-aimé, ce qu'on a engagé, t'es na kati alibala, ou bando sama kam na kati alibala, n'importe comment. Je disais que si tu n'es pas engagé dans ton mariage, le mariage ce n'est pas l'effort de l'homme seulement, le mariage ce n'est pas l'effort de la femme seulement. En fait, j'ai eu à écouter une femme chrétienne aujourd'hui qui disait, dans le mariage on ne peut pas amener 50, l'homme amène 50 et la femme amène 50. Dans le mariage on ne peut pas dire, on fait 50-50 comme on a toujours dit en anglais, 50-50. Dans le mariage, quand tu viens dans le mariage, amène 100%. Et l'homme aussi va amener 100%. Le 100% de la femme et le 100% de l'homme, c'est ce qui fera c'est que le mariage soit un mariage reçu, un mariage épanoui, un mariage glorieux, un mariage de bonheur. Bien-aimé, quand tu es dans un mariage, alors que tu es dans un mariage, n'essaye pas d'être cette personne qui a la deuxième face, qui est en train de regarder ce que simbité na koki ko salaboy. Et les personnes qui font cela, ce sont des personnes, quand ils sont en train de travailler, au moment na mobile azo sala, ma bomba ka mbongo na coulisse alobi, au cas où ma kambeko beba, na koki déjà ko s'en sortir. C'est cette femme-là qui est en train de travailler et qui envoie l'argent en Afrique, so kaza na Europe ou bien en Amérique, azo ti na mbongo, batonge la kaye déjà ndako moi si e mobile azo e bate, envoyer l'argent, batonge la kaenda ko. Pourquoi? Parce que alobi ke noté, je ne sais pas, au cas où ekosimbate nazala déjà na eloko nazanango. Bien aimé, c'est ce qui démontre déjà que dans ton mariage tu n'es pas engagé, c'est-à-dire dans ton mariage tu as un cœur qui est dehors mais un cœur qui est aussi dedans. Donc tu es en train de donner 50 et le 50 autre tu dis que natala nan, est-ce que kosimbobe kosimbate? Tu es déjà dans le mariage, ça fait 10 ans. Tu es déjà dans le mariage, ça fait 15 ans. Mais tu es en train de faire des choses
parce que tu n'es pas engagé. Et sache-le qu'un jour qu'il pleuve, qu'il neige, tu risques, yako salanini, yako divorcer. Tu risques de commettre l'infidélité conjugale et c'est ce qui sera vraiment pire pour toi. Talabana sur Botibana Kitoko, Bane Lengi, Bane Sengo Wapi. Mais ce jour-là, quand tu vas te divorcer, ce jour-là, quand tu auras infidélité dans ton mariage, sache-le que okokoti sa blessure intérieure et Sengo Bandi Komona Nami Sabana, Nyonso Eko Kende. Et des fois, okomona ke moi nazokolo moni net azokola bien moi nazokola na ba aide ba blessure intérieure, les blessures intérieures qui peuvent même coûter à sa vie. Écoute mon bien-aimé, le manque d'engagement dans le mariage. Je suis en train de prier que là où toi tu es, que tu apportes et que tu puisses donner les 100% de ta vie dans ce mariage-là. Mariage na yo simba na komo na Yesu. Mariage na yo za la mariage ya Sengo. Mariage na yo za la mariage moko ya bonheur. Mariage na yo za la mariage moko ya différence et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est la disponibilité excessive aux hommes ou aux femmes qui n'ont pas le moyen de transport ou qui ne parlent pas la langue du pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien aimé, il y a de ces personnes qui se disponibilisent na façon moko atika ka mwasi na ena nako. Soka bimieza ka kosunga bana basi misusu. Une personne qui est là, yezaka ka kosunga. Non, maman, na kende kosunga mutu tel, azala ki na course. Non, na kende ki kosunga mutu monga lobaka langwa na te. Eh, il ne parle pas l'anglais, c'est pourquoi je suis allé l'aider. Mais chaque fois que tu sors, c'est à la dépense de ta femme. Ta femme est restée seule à la maison. Ta femme qui n'a pas même l'occasion à kosolo anayo. Mais toi, tu trouves toujours le temps de sortir pour aller aider. Et beaucoup de gens commettre l'infidélité comment? Ce qui a bimi n'engwana a zali toujours disponible. Cette femme-là qui est vulnérable, elle ne connaît pas la langue du pays, elle ne parle pas la langue du pays, elle est là à la merci de cet homme-là. Elle est en train toujours de demander, aide-moi, je vais aller là-bas, je vais aller à l'immigration, je vais aller acheter ceci, je vais aller dans l'autre ville. Et cet homme-là, tellement qu'il est bon, a tiakakutu karibirana emoko pour te faire sortir. Et le jour où lui va aussi demander, parce que chaque fois que tu demandes, il est toujours disponible. Chaque fois que tu demandes, il est toujours disponible. Et le jour où lui aussi va demander, tu seras culpabilisé au point que tu vas dire, laisse-moi que je donne même une seule fois seulement. N'appe Satan Maramoko et que ça les l'autre côté. D'ailleurs, Mobali Nanga en Afrique. D'ailleurs, Mobali Nanga Vandakawate. Je peux le faire comme la Bible est en train de dire, comme cette femme-là qui sort, qui essuie sa bouche, à l'obina sali l'autre côté. Donc, allié à Pangusi Monoko, à l'obina sali nange l'autre côté, n'allié l'autre côté. Bien aimé, c'est comme ça, les personnes qui se disponibilisent beaucoup, ce sont des personnes qui souvent aiment aussi demander au point que Mutoyo azali na merci na ye akuka. C'est pourquoi des hommes qui se disponibilisent beaucoup, on doit savoir pourquoi yoka kando zalaka disponible. Pourquoi yoka kando lo bagayonde kindaka kosunga. Pourquoi zakaka yo. Bien aimé, tu peux aider une fois, tu peux aider deux fois. Mais si cela devient une habitude au point que tu trouves l'occasion de laisser ta femme dans la maison, afin de sortir et aller faire des courses, tu dois faire attention. Et toi, femme, tu es là, tu te portes garant, yako sungaka batou, même kolambe la batou, yo yebite. Cet homme-là, puisque tu le regardes, le bimbo, na sungaka na sokole la kae moi bilamba, je vais l'aider tout simplement pour nanini, alamba ka na lambe la kae ta moi mouke. Je vais faire ceci pour l'aider. Je vais faire ceci pour l'aider. Et bien, un jour, à cause de cela, tu le fais, un jour, tellement que cet homme-là verra que tu es une femme qui est toujours disponible à l'aider. Et il te dira aussi, tu sais, aujourd'hui, moi, ça fait autant d'années que je n'ai pas ma femme aux côtés de moi. Aujourd'hui, ça fait autant d'années que je suis seul. Vraiment, si tu peux encore m'aider dans cette étape-là. Est-ce que ko sungangai, nzambako pambola, yoyo polobi, nzambako pambolanga. Donc, tu risques maintenant de perdre ta vie à cause de cela. Écoute, mon bien-aimé,
La disponibilité excessive. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Et un homme discipliné, mon pasteur, le pasteur Esaïe Ngalamou, me a toujours dit, tu es dans la voiture, ne prends jamais une autre fille, Yomoko. Ne le fais jamais, parce que dans ce monde ici, tu ne sais pas ce qui peut se passer demain. Tu veux prendre une autre fille, tu veux marcher avec une autre fille, sois avec une personne aux côtés de toi, ou à cause de la troisième personne. Et je suis en train de dire que tu veux te disponibiliser, Ernios, tu risques de porter les enfants d'un autre homme, Oyeko Bambela Mobali, Nayona Katandako, à cause et à cause. Bien-aimé, toi, au travail, tu cherches seulement cet homme-là. C'est cet homme-là. Si tu vas avec lui au travail, tu arrives au travail, et pendant la pause, vous sortez, vous allez dans la voiture pour aller causer en attendant les 30 minutes pour rentrer encore aller travailler. Chaque jour, tu es toujours disponible pour être avec cet homme. Non, c'est mon collègue. Non, il est toujours disponible pour m'amener au travail. Donc, je suis là avec lui. Vous allez au travail. Vous êtes pendant la pause toujours ensemble. Là, dehors, dans le parking, là où il n'y a pas de lumière, vous êtes là ensemble. Et quand vous rentrez, vous êtes ensemble. Et des fois, il fallait besoin à 7h, beaucoup besoin à 9h. Bien-aimé, fais attention parce qu'il y a de ces choses qui peuvent apporter le malheur et l'infidélité dans votre vie maritale. Que Dieu vous bénisse. Je voulais aussi dire, hommes ou femmes qui sont loin de leur conjoint, ils sont susceptibles de pouvoir tomber. Je sais, deux fois il y a de ce programme que le marié font. Deux fois ils le font avec un cœur plein d'amour, avec beaucoup plus de confiance, beaucoup. Je ne suis pas là pour dire que ce sont des erreurs, mais c'est que je veux tout simplement dire que esengeli okokana komi bendamatoi. Si cela est ton cas, tu peux aussi faire la différence. Si cela est ton cas, tu peux aussi te démarquer de toute autre personne, afin que tu sois cet homme, une femme qui marche dans la fidélité de la parole de Dieu et qui vit nakati à sainteté. Bien-aimés, les hommes ou les femmes qui sont loin de leur conjoint ou conjointe, ce sont des personnes vulnérables. Vous savez, un homme qui était habitué à sa femme pendant autant d'années, un homme qui était marié, let's say, disons, pendant 5 ans, pendant 10 ans, il était toujours avec sa femme, cet homme-là, ou cette femme-là était toujours avec son homme. Il dormait avec sa femme, il se réveillait avec sa femme. C'était une habitude. Soudainement, à cause d'un voyage, il arrive que vous arrivez dans un pays où votre conjoint ou votre conjointe n'est pas là. Vous êtes susceptible. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, vous êtes à la merci. Il y a de ces choses-là que tu avais tellement, et tu t'étais déjà habitué, tu les prenais presque chaque jour, tu en avais pour toi dans ta maison, mais malheureusement, à cause d'un déplacement, à cause de ces déplacements, d'un commun accord, d'accord, je suis en train de le dire, mais à cause de ces déplacements, vous risquez de commettre l'infidélité conjugale. C'est pourquoi à vous qui n'êtes pas auprès de votre conjoint ou conjointe, je suis en train de demander que le Seigneur vous fortifie. Bien aimé, au-delà de cela, tu dois aussi te discipliner. N'est jamais, jamais côtoyer un homme seul dans votre maison. Au nom de Koya Mobali Aeko Talanga. Tu es vulnérable. Peut-être que tu es là. Tu es déjà à la base de toute chose. Tu es en train d'avoir des pensées. Bando, tu es tondilio. Tu commences à penser à ton mari. Et à cause de cet homme-là qui est auprès de toi, tu risques de tomber. Juste après 2 minutes, tu te dis, qu'est-ce qui est arrivé? Na salinini. Eloko nine tininga na salaboy. Bien-aimé, toi qui es marié, ne laisse pas un homme venir dans ta maison alors que toi tu es une femme mariée. À cause de cet engagement que tu as, ne le fais pas. Ne sois pas susceptible. Et cet homme là il sait, ça fait 3 ans que tu es seul, ça fait 3 ans que ton mari n'est pas là, ça fait 3 ans. Il commence par des paroles, oh Isaiah malam, il commence à te dire ceux qui n'ont elengi, ceux qui n'ont kitoko, t'as la tresse au basalio, non non mon amour, moi si ma kangé ceux qui a beau été là qui ça n'en. Et à partir de cela, tu risquerais de te retrouver par terre et de tomber. Je suis en train de prier, toi qui es loin de ton mari, toi qui es loin de ta femme, ce n'est pas la fin du monde. Le Seigneur fera à ce que tu puisses te retrouver de ton mari avec ta femme. Mais
avant cela, cherche à ne pas côtoyer Batuyo Moko. Ne te laisse pas, parce que ce corps, c'est pas pour rien que Dieu lui-même a dit, impudicité. Fouillez l'impudicité, la Bible est en train de dire, parce que tu risques de commettre l'infidélité dans le mariage. Quatrième chose, c'est la légèreté de langage. Bien-aimé, beaucoup de gens, tu peux être chrétien parlant en langue, tu parles en langue, tu parles, tu pries comme un ange. Quand tu es en train de prier, il y a une fille qui dit, est-ce que cet homme-là a vivaka en ancien ou bien à la canalole? Quand tu es en train de parler en langue, tu te dis, cet homme-là est en train de regarder cette fille à l'obi, vraiment. Mais s'il y a légèreté de langage, écoute-moi mon bien-aimé, la légèreté de langage, c'est le komoko et koki komtinda yo kokana kokoya na infidélité conjugale. Pourquoi je parle légèreté à langue? Légèreté à langage, c'est ces personnes-là qui a facilité de dire le mot o esengeli to kokana kolobango alors que tu es marié. À ton ami ou bien le mari de ton mari, tu as facilité de dire des mots et des choses que tu ne peux tout simplement dire qu'à ton mari. Des choses que tu ne peux dire que dans ta chambre. Des choses qui représentent l'intimité. Ce sont des choses que tu peux dire facilement à l'ami de ton mari. Ce sont des choses que tu peux dire facilement aux amis de ta femme. Même en plaisantant, tu es en train de parler. En plaisantant, tu es en train de dire des choses qui peuvent te faire tomber. Bien-aimé, légèreté de langage même par écrit. Quand tu es en train d'écrire, tu écris, mais tu es léger dans ta manière ou bien dans ta façon de parler. Quand tu es en train d'écrire, tu ne sélectionnes pas le mot. Au point que à la personne que tu es en train d'envoyer, cette personne-là commence à avoir des idées. Cette fille ici, Nengazo Komabouseka, craqué ngaï. Cette fille ici, puisqu'elle est en train de m'envoyer ce message, laisse-moi seulement essayer. Il essaie aussi de te dire, qu'est-ce que tu es en train de porter au moment où tu es là? Est-ce que tu es sur ton lit? Oh, moi je suis sur mon lit, je suis en train de dormir. Et quand tu es en train de dire cela, il commence à te poser des questions au point que tu commences à être léger dans tout ce que tu es en train. Tu écris légèrement. Tu dois te montrer que tu es un enfant de Dieu. Tu es une femme mariée. Tu es un homme marié. Parce que tu es un homme marié, il faudrait que tu puisses sélectionner les choses que tu es en train de dire. Là où tu es, il faudrait qu'on sente, même si ta femme n'est pas là, il faudrait qu'on sente que cet homme ici, il aime sa femme. Il faudrait qu'on sache que cet homme, cette femme ici, il aime son mari. Non, pas de blagues. Même au niveau du travail, toute personne peut venir te toucher sur ton corps. Toute personne peut dire n'importe quoi devant toi et tu les laisses passer. Parce que beaucoup d'hommes trouvent l'occasion. Une fois qu'il a seulement l'occasion, il peut parler de n'importe quoi et de n'importe comment. Je suis en train de prier qu'au travers de ce message ici, que tu sois cette femme, que tu sois cet homme très fort. Je suis en train de prier que tu marques la différence et que tu ne sois pas comme le monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Si ce siècle présent peut parler avec légèreté, toi parle avec sanctification. Si ce monde peut parler avec légèreté, toi sois un enfant de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Parle, que dans ton parler qu'on trouve que tu es un enfant de Dieu. Que dans ta manière de dire les choses, qu'on voit que tu es un enfant de Dieu. Ne plaisante pas n'importe comment. Ne cherche pas les choses à dire n'importe comment. Même devant tes amis, même devant les amis de ton mari, sois sage et sois fidèle à Dieu. Ainsi le Seigneur verra que tu es réellement son enfant. Et c'est ce que le Seigneur est en train de chercher. Que nous puissions nous démarquer de ce monde et que nous puissions être des hommes et des femmes fidèles à Dieu. Dieu est fidèle à nos conjoints. Cinquièmement, un manque de paix dans la maison. Bien-aimé, le manque de paix dans la maison, c'est l'une des choses qui peut aussi exciter l'infidélité conjugale dans une maison. Je connais un homme qui, au lieu de rentrer dans sa maison, puisque sa femme l'harcelait toujours, il y avait toujours des querelles dans la maison, cet homme l'a préféré aller dans un bar, aller prendre la liqueur, les liqueurs, prendre la bière avec ses amis et rentrer vers minuit, rentrer vers 1h du matin pour qu'à 7h qu'il puisse encore ressortir. Pourquoi? Parce qu'il savait que dès que je suis dans la maison, je n'aurai jamais de paix. Bien aimé, le manque de paix dans la maison,
c'est aussi une chose qui peut t'amener à l'infidélité conjugale. Cet homme, chaque fois que tu es dans la maison, cet homme est en train de te parler en mal. Cet homme est en train de disputer avec toi. Cet homme n'a pas de considération sur toi. Il est en train de te parler comme si tu étais une chose. Tu es en train de parler à ton mari comme si ton mari n'était absolument rien. Bien-aimé, je suis en train de te dire que le manque de paix dans la maison peut aussi apporter. La Bible est en train de dire que mieux vaut habiter dans une maison qui n'a que peut-être qu'une toiture et que d'habiter dans une grande maison mais sans paix. Je suis en train de prier que toi qui es en train de me suivre, que tu sois la complice de ton mari, que tu sois la complice de ton mari. Enfin, que quand ton mari n'est pas encore à la maison, qu'il puisse penser que je dois rentrer, je dois être avec ma femme. Et quand il est dans la maison, il se sent qu'il est un homme. Et c'est ce que la Bible est en train de dire, qu'il est considéré là dehors. Tout le monde le loue et tout le monde est en train de dire qu'il est le bienheureux. Pourquoi? Parce qu'il a une femme qui prend soin de lui, et chaque fois qu'il est là dehors, il se presse. Moussala non silité, mais il est en train de dire, je dois rentrer à la maison. Et quand il est à la maison, il ne trouve même pas le bonheur d'aller dehors. Même aller faire des achats, il trouve le bonheur en restant avec sa femme dans la maison, ou en restant avec son homme dans la maison. Je suis en train de prier que toi, tu es en train de me suivre. Ces paroles, certes, beaucoup diront que mais je suis en train de dire que ce sont des choses, en faisant ce qui est la parole de Dieu, tu vas vivre le bonheur et le bonheur en outrance. Toi qui n'es pas encore marié, sache-le, en faisant ce que je suis en train de te dire, tu vivras le bonheur dans ton mariage. Tu vivras et tu te diras, le mariage, certes, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, ce que le bonheur est dans ma maison. Le bonheur a un nom et le bonheur, c'est ma femme qui est dans ma maison. C'est pourquoi je suis en train de prier que tu sois le bonheur de ton mari. Je suis en train de prier que tu sois le bonheur de ta femme. Je suis en train de prier que tes enfants voient que vous êtes le bonheur pour l'un et l'autre et que le Seigneur soit loué. Sixièmement, je vais un peu rapidement. Septièmement, le dénigrement du conjoint. Dénigrer le conjoint. Bien-aimé, ta femme n'est absolument rien. Quand tu commences à parler à ta femme, quand tu avais commencé avec elle, c'est elle qui te soutenait pour aller à l'école. C'est elle qui payait tes études. C'est elle qui allait vendre Nakata Poto Poto pour que toi tu puisses aller au travail, pour que toi tu puisses réussir. Aujourd'hui tu as un bon travail alors que ta femme peut-être ne parle pas un bon anglais ou bien un bon français. Tu commences à les dénigrer au point que tu commences à chercher ce que les hommes ont toujours dit, la femme de ma taille ou la femme de mon niveau. Aujourd'hui, cette femme-là n'est pas à ton niveau parce que c'est elle qui a fait ce que tu puisses arriver là où tu es. Bien-aimé, ne dénigre jamais ta femme. Or, la Bible est en train de dire, sois heureux avec la femme de ta jeunesse, car c'est elle qui est tienne. Sois heureux avec la femme de ta jeunesse. Quel que soit le niveau d'étude qu'elle a, sache-le que c'est elle qui t'a soutenu. C'est elle qui était toujours derrière toi. C'est elle qui disait, mon mari doit réussir. Mon mari va réussir. Mon mari ira de l'avant. Et c'est elle qui a fait à ce que tu puisses arriver là où tu es. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, aie donc confiance ou aime la femme de ta jeunesse. Considère la femme de ta jeunesse. Ne la dénigre pas devant tes amis. Ne la dénigre pas devant ses amis. Ne montre pas qu'elle n'a pas un niveau d'études peut-être supérieur. Mais ce qui est vrai, que toi qui as un niveau supérieur, tu peux aussi l'amener à ce niveau-là, afin que cette femme continue toujours à être la femme qui te faisait à ce que tu sois cet homme. Et je suis en train de parler de ces femmes aussi qui dénigrent leur mari. Pourquoi? Parce que tu es venu d'une famille qui a l'argent. Tu es venu d'une famille considérée, une famille élevée. Tu regardes ton mari et tu commences à le dénigrer et tu commences à dire batanga mibali, batanga peyo. Bien-aimé, ton mari n'est plus performant peut-être que dans la chambre, mais tu trouves à le dénigrer même devant tes amis. Tu trouves à le dénigrer même devant tes frères. Tu dis, d'ailleurs, si on te regarde, tu n'es même pas capable. Et si je peux te comparer, je peux te comparer même à mon premier amour qui
qui n'avait que 14 ans. Tu n'es absolument rien. Tu ne peux absolument rien faire. Tu n'es rien pour moi. Bien-aimé, ce sont des choses qui tuent les hommes. Je suis en train de prier que tu n'aies pas les paroles qui dénigrent, qui diminuent, mais que tu aies les paroles qui élèvent, qui soulèvent, qui glorifient, afin que ton conjoint, ta conjointe sache ou qu'il sente que mon homme m'aime beaucoup, ma femme m'aime beaucoup. Ainsi, dans le mariage, tout le monde a sur Facebook, on commence à exposer le mari, on commence à les chasser, on dit sors de la maison. Ce ne serait jamais le cas dans ta maison, parce que ta maison, tu ne considères pas que c'est pour toi, mais ta maison, tu considères que c'est moi et ma femme, ou ma femme et moi. Tu considères que cette maison est maison parce que vous êtes à deux. Tu considères que cette maison est maison parce que vous êtes ensemble. Ne sois pas cette femme qui expose son mari. Ne sois pas cet homme qui expose sa femme. Ne sois pas cet homme ou cette femme qui dénigre, cette femme qui dérange et qui fait pleurer l'autre. Sois cet homme qui encourage, qui élève, qui glorifie. Cet homme qui, quand on voit sa femme, balobi finalement alinga qui est nengenini. Mais yota liolobi kenote moi si ne moi si nangai. Moussou soazate. On regarde cet homme, balobi ke moi si finalement mon akini n'est pas mon balio. Mais cette femme la connaît la valeur de cet homme. Il est en train de l'élever. Il dit la femme de l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, l'homme est en train de. Je suis en train de prier que toi qui m'écoutes, ko yoka kaka bi yoka yokate, mais fais de ton homme cet homme qui sera considéré dans le quartier, qui sera considéré dans ton église, qui sera considéré partout où tu es. Et toi, l'homme, sois cet homme. Tu ne laisses jamais ta femme à la takabilamba pamba pamba, alors que yoza nakatia ba costume mo kwa binene. Tu dépenses $500 pour toi-même, mais quand il s'agit de ta femme, tu lui donnes $20 au ébissé qui a noté débrouillé. Ta femme est en train de débrouiller na ba moyen mo kwa zangatine. Sois cet homme, quand tu es en train de toucher à ta femme, aux aliko glorifier, aux aliko tombolaye, na niveau ya kolata, ba moni qui a noté moto, yo mwana mbalo, a yebi ko bate la moissinaye. Huitièmement, détérioration du corps du conjoint. Bien aimé, il y a de ces hommes-là, tant que balaki moi sinaye, abosani ke moi sazala ki na 20 ans, moi sazala ki na 22 ans, moi sazala ki na no sembe sembe. Il arrive à 50 ans, la femme qui a 48 ans, il commence à dénigrer la femme, mais si on a bandi kota la kaka libanda fraîcheur, oh non, nga nazolu ka fraîcheur, nazolu ka fraîcheur. Abosani ke cette même femme-là, c'est cette femme-là qui avait conçu des enfants pour naye. C'est cette femme-là qui a été presque à la porte de la mort pour na kolukanini ki abote la ebana. C'est cette même femme-là qui a porté 5 grossesses, 6 grossesses, alors que le corps est en train de changer. Lui commence maintenant à chercher la fraîcheur dehors, azolu ba kenote. En tout cas, n'allez-moi moi si nanga parce que nazo mona souffrecheur té. Bien-aimé, soit cet homme là qui ne peut pas laisser sa femme au moment de la détérioration. Toi, cette femme, tu savais que ton homme était tellement performant. Tant qu'il a 22 ans, 23 ans, 25 ans, il était là, il pouvait faire une heure, deux heures du temps. Mais si Kawa a commis peut-être il y a 10, 15 minutes et tu commences à te dire, je commence à chercher la fraîcheur maintenant. Bien-aimé, la détérioration du corps ne peut pas nous amener à l'infidélité conjugale. Au contraire, puisque vous avez grandi ensemble, au contraire, puisque vous êtes en train de grandir ensemble, tala moi sinayo, yeba ete, c'est la femme de ta jeunesse. C'est pas pour rien que Dieu a dit que aime ta femme de ta jeunesse, sois avec elle, quel que soit ce qui va se passer. Bien-aimé, c'est pourquoi tu verras que cette femme qui considère son mari, alors que mon bali n'est plus performant, mais la femme reste, il dit, bien que likambo ezali, je reste avec mon mari. Et s'il y a une maladie qui vient, cette femme dit, moi je ne sortirai jamais dehors, je resterai avec mon mari jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Sois cet homme, quand tu regardes ta femme, quelle que soit la détérioration du corps, tu la regardes, mais tu ne trouves jamais d'autre fleur comparable à ta femme. Tu regardes ta femme, tu dis, chaque jour tu rajeunis, c'est comme si tu avais 20 ans, c'est comme si tu avais 18 ans, connaissant que tu l'aimes et l'amour que tu portes à ta femme, c'est cet amour-là qui fait à ce que ta femme puisse être considérée et ta femme se ressente qu'elle est une femme. Sois cet homme qui, jamais, jamais tu ne peux parler du mal du corps de ta femme, mais au contraire, tu connais ce qu'elle a fait pour toi, tu connais ce qu'elle a porté pour toi, les
les enfants qui sont là, tu es en train de dire que mes enfants sont jolis, mes enfants sont beaux, c'est cette femme-là qui te l'a donné. Et puisque cette femme-là te l'a donné, tu dis merci à l'Éternel et tu dis merci à ta femme. Tu marches main dans la main, tu ne la laisses jamais derrière, mais tu es toujours babengaka pantalon na mokaba, serré, serré, collé, collé. Yona mwasina yo mwasina mobali na ye, mokota kotika mosusu, nyekese wapi, bolamu wapi, elengyo wapi, kimyo wapi. L'Éternel aime. Bien-aimé, je t'assure, quand tu le fais, tu verras que le Seigneur sera avec toi et l'amour du Seigneur ne s'éloignera jamais de toi. Le Seigneur te bénira, le Seigneur t'élèvera et tu feras la différence parce que tu aimes ta femme, parce que tu aimes ton homme et tu es en train de marquer la différence. La dernière chose que je voudrais donc dire parmi les occasions, les 9 choses qui occasionnent l'infidélité, c'est quand tu es sanguin et que l'autre n'est pas sanguin. Qu'est-ce que je veux dire? Toi, tu es un homme qui aime toujours être avec ta femme chaque fois. Yo linga kozala na moi sinao chaque fois, à chaque heure, à chaque minute. Et quand elle est dans la cuisine, tu es avec elle. Quand elle est dans la chambre, tu es avec elle. Au salon, tu es avec elle. Tu es toujours derrière elle, alors qu'elle n'est pas sanguine. Elle est un peu différente. Ou soit vice versa. Toi, femme, tu es toujours derrière ton mari. Il travaille beaucoup. Il cherche l'argent pour la maison. Mais quand il rentre, tu veux 3 fois, 5 fois, 4 fois. Tu veux toujours être derrière lui. Tu veux toujours. C'est vrai qu'il faudrait que le pasteur Toto, l'apôtre Toto l'en avait bien dit. S'il y a communication, s'il y a dialogue dans la maison, que tu sois sanguin ou pas, que tu sois celui qui aime ça chaque jour, ton homme dit pourquoi. Si vous êtes en dialogue, il y aura toujours des choses qui vont se faire et là, vous allez marcher d'un commun accord. La Bible dit, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans pour autant qu'il y ait consentement ou qu'il y ait entente? Donc, si vous êtes en train de marcher, que l'un est sanguin, l'autre n'est pas sanguin, il faudrait seulement parler afin que votre famille, votre vie conjugale ne puisse être occasionnée par l'infidélité. Bien-aimé, je suis en train de dire ceci. Écoutez-moi très bien. Toi qui es en train de m'écouter, sache-le que tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur lui-même t'a établi. Fais la différence. Tika et liba la naweza la liba la mokoya. Ne te laisse pas emporter par quelque chose qui va ruiner ton avenir, qui va ruiner ton foyer. Tes enfants seront dans les blessures intérieures à cause des décisions que tu es en train de prendre. Plaise à Dieu que tu ne puisses jamais côtoyer le mal, mais que tu puisses fuir devant l'infidélité conjugale. Plaise à Dieu que tu ne puisses jamais tomber dans l'impudicité, que tu ne puisses jamais, je disais, tomber dans l'infidélité. Plaise à Dieu que le Seigneur te fasse grâce, mon bien-aimé, afin que tu puisses être cet homme, cette femme qui vit dans la joie de son mari, dans la joie de sa femme. Plaise à Dieu que tu sois différent, mon bien-aimé. Plaise à Dieu que ta vie soit cette vie de la crainte de la parole de Dieu. Sois cet homme qui aime sa femme et sois cette femme qui aime son homme. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes qu'on avait lu, le chapitre 5, le verset 15, « Bois les eaux de ta citerne, mais la maille à l'izibanayo, les eaux qui sortent de ton puits. Mais la maille à l'izibanayo, à l'izibanayo, comme la maille à l'ibandate, comme la maille mosusute, mais la maille à l'izibanayo. » Le verset 16 dit, « Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Est-ce que maï na we sengele koka na kokoya na libanda? Est-ce que maï na we sengele koka na kozala bisikanyo sur la place publique? Le Seigneur ne veut pas que tu puisses faire cela. La Bible dit qu'il soit pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Tika ete azala kaka pona yo moko, azala pona batoyo ba étranger te. Azala mobale azala kaka pona yo moko, moi si azala kaka pona yo moko, qu'il soit pour toi et pour toi seul, qu'elle soit pour toi et pour toi seul, que ta source soit bénie, source, que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Je suis en train de prier que toi tu es un homme, moi je suis un homme, que nous puissions faire de joie les femmes de notre jeunesse. Tokokanakota la libanda
présenter. Ne regardons jamais derrière, mais plaise à Dieu que nous puissions aimer nos femmes, les aimer plus que jamais, plus que même les jours qu'on les a rencontrées, que nous puissions les aimer plus, que nos femmes sentent que nous les aimons de tout leur cœur, de tout notre cœur, que nos femmes sentent que nous les aimons au-delà de tout ce que le monde. Nous pouvons voir d'autres femmes passer, nous pouvons voir d'autres femmes en train d'embellir, mais nous nous disons, nous avons notre fleur et notre fleur nous appartient. Cette fleur ne sera irremplaçable en aucun jour. Cette fleur restera notre fleur pour toujours. Cette fleur restera à nous pour toujours. La Bible dit que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Il dit, biche des amours, que l'amour soit grande, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour, au lango à l'olango, que ton amour soit tellement grand devant ta femme, sokozo mon amour sinayote, que tu te dises, je veux voir ma femme. Quand ta femme est ton travail, est au travail, tu es en train d'attendre, je veux voir ma femme. Quand ton mari n'est pas encore là, tu te prépares, bien habillé, tu attends que ton mari puisse entrer. Déjà quand il entre, tu dis, chérie, tu es arrivé, et ton mari sera dans la joie. Le verset 20 dit, et pourquoi mon fils serais-tu épris d'une étrangère? Pourquoi est-ce que tu vas penser à une étrangère? Pourquoi tu vas penser à un étranger et embrasserais-tu les seins d'une inconnue? Pourquoi vas-tu embrasser une inconnue? Pourquoi vas-tu embrasser un inconnu? Je suis en train de prier ce soir que cette parole, cette série que nous avons faite cette semaine ici, que cela soit une bénédiction pour un homme, que cela soit une bénédiction pour une femme, que cela soit une bénédiction pour quelqu'un, afin que tu saches que le Seigneur te connaît et que le Seigneur veut ton bonheur. Bien-aimé, quand ton mariage est reçu, sache-le que le mariage de tes enfants sera aussi une réussite. Sache-le que le mariage de tes enfants réussira. Et c'est pourquoi nous sommes en train de prier qu'au travers de cette série que nous venons de faire, que nous ne puissions pas être des hommes et des femmes qui amènent l'infidélité dans la vie conjugale, mais que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent fidèlement devant notre conjoint, devant notre conjointe. Que Dieu bénisse sa parole. Je disais que Dieu bénisse sa parole et que Dieu te bénisse abondamment parce que tu es fidèle à ton mari et tu es fidèle à ta femme. Reste ainsi jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Et ce jour-là, tu diras, j'ai aimé ma femme, je n'ai jamais sorti avec un autre. J'ai aimé mon homme et je n'ai jamais sorti avec un autre homme. Que Dieu vous bénisse. Soyez fidèles et que la main de l'Éternel vous assiste et que rien ne vous partage avec l'amour de Jésus. Je t'invite à prier pour que tu es fortifié. Tu vas prier pour toi-même, tu vas prier pour ton mari. Et aussi toi qui n'es pas encore marié, tu vas prier pour toi-même. Que le Seigneur te donne l'intelligence et la sagesse. Que le Seigneur te donne la grâce. Quand tu seras marié, que tu sois fidèle à ton homme si tu es une fille. Que tu sois fidèle à ta femme si tu es un homme. Tu es en train de prier. Nous qui sommes mariés, nous allons prier pour nos conjoints et nous allons prier pour nous-mêmes. Nous allons dire, Seigneur, l'infidélité conjugale pour nous, ce serait seulement un mot qui ne sera jamais expérimenté dans notre foyer. Nous n'allons jamais expérimenter cela et cela dans le nom de Jésus. Alors je t'invite, si tu peux élever ta voix et tu pleures devant l'Éternel, Baou Bakoyaka, Bazalaka Pemaka Silokolayo, Baou Bakoyaka, Bazalaka Batumokoyo, et ce n'est pas des personnes qui étaient comme des blindés, mais ce sont des personnes comme toi et moi. C'est pourquoi nous allons demander la grâce de Dieu. Élève ta voix, prie mon bien-aimé, que le Seigneur te fasse grâce, que le Seigneur te fasse grâce. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous sommes à toi. Nous venons au devant de toi. Nous croyons en ta parole. Ta parole est tout ce que nous demandons et ta parole, c'est ce que nous cherchons. En ce moment, Père éternel, nous venons tout simplement te dire un grand merci pour cette série que nous avons tenue toute cette semaine. Alors que nous avions commencé avec cette série depuis le mardi, nous avons parlé des causes et des conséquences de l'infidélité. Nous avons parlé de dois-je tout dire à mon mari ou à ma femme. Nous avons parlé avec l'apôtre Toto des causes qui amènent à l'infidélité conjugale. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons parlé de 9 choses qui occasionnent l'infidélité dans la vie conjugale. Père, nous sommes en train de prier. Certes, nous ne sommes pas forts. Qui est-ce qui dira qu'il est le plus fort? C'est pourquoi toi, tu nous as dit devant l'infidélité, devant l'impudicité, que nous ne puissions jamais rester. C'est pourquoi nous prions, fortifie-nous, Seigneur, nous qui sommes mariés, afin que nous puissions
devons être fidèles à nos femmes ou, et les femmes à leur mari. Père, nous sommes en train de prier que tu nous donnes la capacité de dire dans autant d'années que je me suis marié, cela fait 20 ans que je n'ai jamais couché avec une autre femme. Que nous puissions le dire quand nous serons à 30 ans de mariage, que nous puissions dire, nous n'avons jamais connu d'autre personne si ce n'est notre conjoint ou notre conjoint. Oui, Seigneur, j'aimerais le dire quand j'aurai 50 ans dans mon mariage, alors que je regarderai ma femme et je dirai, je n'ai jamais connu une autre femme que ma femme. Seigneur, donne-moi les capacités, et c'est pourquoi je prie que ces capacités soient données aussi à ma femme, afin que mon Dieu, mon roi, nous puissions être en mesure de rester dans la fidélité et la fidélité, et l'infidélité n'entrera pas dans nos maisons. Père, nous sommes en train de prier pour toutes ces personnes qui sont encore célibataires, que ce soit cette jeune fille, que ce soit ces jeunes hommes, Seigneur, que ce soit nos enfants. Nous demandons ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Nous ne voulons pas regarder demain nos enfants qui tombent dans l'infidélité. Ce serait, Seigneur Dieu de gloire, une honte pour nous. Mais Père, nous sommes en train déjà de préparer leur avenir, leur, Seigneur Dieu de gloire, lendemain, afin que tu puisses leur équiper de tout ce qu'il faut, afin qu'ils ne puissent jamais tomber dans l'infidélité conjugale. Père, je voudrais être ce modèle dans l'église et aussi ce modèle pour ma famille. Je voudrais être ce modèle pour ce nouveau couples qui peuvent regarder à moi et regarder à nous pour dire, si le pasteur est dit a fait autant d'années sans jamais commettre l'infidélité conjugale, il est possible que moi aussi je puisse le faire. Mais Seigneur, la capacité vient de toi, celle-là ne vient pas de nous. C'est pourquoi nous te demandons, fortifie-nous, donne-nous le courage, donne-nous la force, afin que nous puissions demeurer fermes et nous puissions demeurer, Seigneur Dieu de gloire, puissant, Seigneur, dans ces choses, et que personne d'entre nous ne puisse tomber. Seigneur, nous sommes en train de demander que là où il y a fait la faiblesse, donne-nous la force. Seigneur, nous sommes en train de demander que là où nous étions déjà en train de vouloir tomber, que nous ne puissions jamais tomber. Et Seigneur, nous demandons la capacité d'en haut, parce que la capacité d'en haut, c'est celle qui nous permettra, c'est que nous puissions fuir devant une tentation et que nous ne puissions jamais céder. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus. Bénis nos familles, bénis nos enfants, bénis tout ce que nous sommes et glorifie-toi éternellement, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Nous allons prier en ce moment, nous allons bénir la chambre de prière. Bien-aimé, la chambre de prière, c'est une chambre qui amène la pensée de Dieu. La chambre de prière, c'est une chambre qui vient pour la prière, mais aussi pour des enseignements, afin que tel que nous sommes en train de vivre ici sur la terre, que nous puissions être équipés. Je dis bien équipés de la parole de Dieu, afin que le monde ne puisse pas nous embourber et nous amener dans le mal. C'est pourquoi nous allons prier pour la chambre de prière, pour toutes les personnes qui viennent en direct ou même en différé, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les bénisse abondamment, que le Seigneur soit avec eux, que le Seigneur soit avec eux, que le Seigneur fasse du bien. Et toi qui viens chaque fois dans ce programme, que le Seigneur te fasse du bien et que le Seigneur puisse te rencontrer. Est-ce que tu peux prier avec moi? Et c'est là dans le nom de Jésus. Prie, prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons, n'ayez biété, sans toi, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi nous venons seulement à toi, Seigneur. Sois ce Dieu-là qui nous assiste, Seigneur, dans la chambre de prière. Seigneur, continue toujours à nous donner, Seigneur Dieu de gloire, l'intelligence et la sagesse. Continue toujours à visiter ces familles, afin que dans ces familles, qu'il y ait ta grâce, qu'il y ait ta grâce, qu'il y ait ta bonté, qu'il y ait, Seigneur, ta main, que ta main, Seigneur Dieu de gloire, ne puisse s'éloigner de quelqu'un. Seigneur, nous sommes en train de prier afin que toute personne qui sera en contact avec la chambre de prière, qu'il soit béni, et c'est là au nom de Jésus. Et que là où il y avait un ça ne va pas, que tu puisses ramener un ça va. Que là où il y avait le pleur, Seigneur, que tu puisses enlever le pleur et que tu puisses ramener, Seigneur, la joie. Seigneur, que là où il y avait quelque chose qui n'allait pas, Seigneur, nous prions qu'au travers de ce programme, que tu puisses changer la vie de quelqu'un, afin que cette personne puisse bénéficier de cette grâce que toi tu donnes. Et je sais que tu es capable de le faire. C'est pourquoi nous nous confions seulement en toi, selon que ta parole dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et l'Éternel agira. Que la chambre de prière soit une source de bénédiction pour les enfants, soit une source de bénédiction pour le jeune et aussi pour le marié. Seigneur, que cela soit une source de bénédiction pour toute personne. Encore
commençant par la délivrance, par la bénédiction et toutes sortes, Seigneur Dieu de gloire, des grâces que tu apportes, Seigneur, que dans la chambre des prières que tu sois élevé, et c'est là dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier pour ce week-end. Nous allons prier pour cette nuit, nous allons prier pour samedi, nous allons prier pour dimanche quand nous irons dans nos églises. Je demande à tous que nous puissions aller dans nos églises locales, afin que nous puissions être actifs dans la maison de l'Éternel. Cette plateforme est là pour nous soutenir dans la prière, dans les enseignements, mais nous devrions être aussi actifs dans nos églises locales. Alors nous allons prier pour cette nuit, nous allons prier pour samedi, nous allons prier pour dimanche, nous allons prier que la main de l'Éternel soit sur tout un chacun et que le Seigneur puisse se diriger, conduire et que le Seigneur nous préserve, que tokwa yana katia masumute, mais que nous puissions nous contrôler, non pas aller dans des nightclubs, non pas aller dans des endroits qui vont donc nous amener au péché. Est-ce que tu peux prier avec moi dans le nom de Jésus, dans le nom de... Est-ce que tu peux élever ta voix, élève ta voix. Tu pries avec moi, tu pries avec moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous venons vers toi. Ce week-end, nous dédions entre tes mains. Bénis ce week-end de Jésus-Christ et de Nazareth. Bénis, Seigneur, cette nuit de vendredi. Laisse que cette nuit soit merveilleuse. Et que cette nuit, Seigneur, pendant laquelle tu vas nous parler, tu vas nous visiter. Seigneur, que ta puissance et ta présence, Seigneur, demeure dans ma maison. Et que Jésus-Christ, tu puisses visiter toutes ces familles qui sont avec nous ce soir. Et tous ceux-là qui entreront, Seigneur, en différé. Je suis en train de prier que cette nuit soit une nuit merveilleuse. Où, Seigneur, tu vas te glorifier parce que nous sommes à toi et à toi seul. Ce week-end, Seigneur, épargne-nous de tout danger. Épargne-nous de toutes choses qui ne confessent pas ton nom. Épargne-nous, Seigneur. Nous demandons que tu puisses être avec nous. Que le samedi soit béni. Que le dimanche aussi soit béni. Seigneur, tout le travail que nous faisons à l'église, que nous puissions le faire avec un cœur joyeux, avec un cœur rempli de joie, parce que Seigneur, nous le faisons pour toi. Aide-nous à ne pas, Seigneur, aller loin de toi, mais Seigneur, que nous puissions aller chaque jour en nous rapprochant de toi, parce que c'est vers toi que nous venons et c'est vers toi que nous nous confions. Ainsi, accorde un sommeil doux, calme et paisible à mon frère et à ma soeur. Permets, Seigneur, que nos nuits soient des nuits merveilleuses, jusqu'à ce que nous allons nous retrouver la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est la semaine de la prière. Et Seigneur, Dieu de gloire, toi, tu seras avec nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons, toi qui écoutes la prière de tes enfants, n'abandonne personne, ne délaisse personne, mais sois avec nous, parce que nous croyons en toi, et ta parole nous dit que tous ceux qui espèrent en toi, ils ne sont jamais confondus. Ainsi sois béni, ainsi sois glorifié, ainsi sois magnifié, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu en qui nous plaçons notre confiance, et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à la fin, mon cœur me demande que nous puissions bénir nos vies encore une fois de plus. Alors que tu viens d'écouter cette parole, bénis ta maison, bénis tes enfants, bénis ta vie, bénis tes projets, bénis tes ambitions, bénis tout ce que tu fais et que tu puisses marquer la différence. Est-ce que tu peux prier avec moi dans le nom de Jésus? Seigneur, je bénis ma maison alors que nous sommes au devant de toi. Seigneur, bénis les maisons de toutes ces personnes qui sont avec nous. Seigneur, apporte-nous ta bénédiction, que ta bénédiction soit notre partage chaque jour au nom de Jésus. Bénis nos enfants, bénis nos partenaires, bénis Seigneur notre conjoint, notre conjointe. Bénis-nous Seigneur Dieu de gloire, que tes bénédictions demeurent sur nous, afin que quand nous marchons, que nous puissions marcher dans ta bénédiction. Et c'est là dans le nom de Jésus. Glorifie-toi Seigneur, parce que nous n'avons pas d'autre Dieu. Tu es le Dieu en qui nous plaçons notre confiance, et c'est pourquoi nous t'invitons. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Glorifie-toi, Père, parce que c'est toi qui es notre Père à jamais, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, bénis ton peuple. Père, sois avec nous. Garde-nous, Seigneur. Maladie et zoabie sautée. Là où il y avait la maladie, que la guérison entre au nom de Jésus. Père, bénis ton peuple. Ton peuple te cherche. Malgré les vents et marées, Seigneur, n'abandonne personne. Sois toujours avec nous. Et que ton peuple puisse bénéficier de ta grâce. Et c'est là, au nom de Jésus. Jusqu'à ce que nous nous retrouvons encore le lundi à la même heure pour la prière, Seigneur, sois avec nous et garde-nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Que Dieu bénisse la chambre de prière. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Que Dieu vous fasse du bien et que le Seigneur vous garde et vous protège et que le Seigneur marche avec vous. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ là où vous êtes. Soyez tous bénis et merci pour votre présence. La semaine prochaine, c'est la semaine de la prière. C'est la semaine de la prière, je disais. Sois avec nous pour que nous puissions prier. Le Seigneur te fera du bien. Kangama kakananzambe, sois toujours fidèle à ce Dieu. Bien-aimé Kolembate, une personne m'a dit, mais papa a dit, yo lembakate bien dengenin. Bien-aimé, quand je regarde là où moi je viens, bien-aimé, peut-être que yo botamaka botika la kola lanzalate. Bien-aimé, peut-être que yo botama na famille yo, botika la koyo katanzalate. Mais moi je suis venu d'une famille, oboko sala 5 jours bilo kwa kolia ezalakate, et boebi place ko outa pete. Le Seigneur m'a fait grâce, je prierai toujours. C'est pourquoi je te demande, ne te lasse pas, n'abandonne pas, sois fidèle à Dieu et continue toujours à prier. Donc, ngana lembite yo pe kolembate, chaque jour nazana chambre de prière, chaque jour maman nénette est dans la chambre de prière, chaque jour mes enfants sont dans la chambre de prière, donc toi aussi ne te fatigue pas. La semaine prochaine, vous verrez le pasteur David Bongi, maman Marie Chibola avait demandé et je crois que beaucoup aussi ont demandé. Alors, la semaine prochaine, nous nous retrouvons avec le pasteur David Bongi et aussi l'évangéliste Joshua Senghor sera parmi nous. Thomas Taniveau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez fidèles et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen encore.